Ce n'est pas discutable. Les concours et examens d'entrée à l'ENS, l'école normale supérieure, sont organisés par la DOREX, la Direction des examens et concours, et ce, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret numéro 2011-396 du 16 novembre 2011, pour plus de transparence et d'efficacité. Des fraudes avaient été constatées au cours de l'année 2010-2011. De nombreuses et graves irrégularités, voire des fraudes flagrantes, ont émaillé ces concours et mis en lumière les insuffisances du dispositif. Le candidat numéro 10, ED0614, parade de la 724e place à la 3e place. C'est-à-dire, en janvier 2011, il était 724e. Quand on a repris pour remettre les choses en ordre sur les différentes copies, en fait, son rang, c'est 3e. J'ai au moins 10 exemples ici. Dans le cas de l'école normale supérieure, si ces résultats de janvier 2011 avaient été maintenus, que pouvons-nous attendre ou espérer d'un enseignant de mathématiques, de physique, de philosophie ou de SVT, si ce n'est de jeter dans nos salles de classe des individus dangereux pour former et produire des cancres et des cancrelats? Le directeur de l'ENS revendique l'organisation des concours et examens de son école et dit avoir pris en compte les droits afférents à ces concours dans ses prévisions de recettes budgétaires sur les 3896 postes ouverts par le ministère de la fonction publique. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, lui, est catégorique. L'ENS n'est plus habilité à organiser ses concours et examens. Et bien plus, l'organisation des concours et examens d'entrée dans les grandes écoles publiques est l'affaire de la DOREX. Les directions des grandes écoles publiques, sans exception, doivent se conformer aux dispositions du décret susvisé.